on va fêter l'anniversaire à Léo avec les copains. Donc j'ai fait la déco et je vais essayer de filmer sa réaction parce qu'il ne l'a pas encore vue. Déjà je vous montre. C'est après quand il arrivera. Alors donc il y a une piñata. Il y a des petits pompons. Ceux-là je les ai trouvés chez Action. Ils étaient vendus par deux. Il y en a un gros et un petit dans le lot. Donc là on a fait des pieuvres. Ça c'est la table où ils vont manger. Il y a des coloriages pour les occuper en attendant que tout le monde arrive. Là c'est un petit centre de table avec Dory, Hank, Nemo et un 5 parce qu'il fête ses 5 ans. Là donc il y en a un là et un là. En fait c'est comme la queue de l'âne. Mais en fait c'est la nageoire de Nemo qu'ils vont recoller. Donc les nageoires sont là avec le masque. Ça c'est un autre jeu où ils doivent lancer les cerceaux dans les anneaux. Et s'ils lancent au moins un cerceau dans un anneau. Alors, vas-y, tu peux rentrer. Alors, chocolat? Non, c'est pas des chocolats. Batterie. J'ai plus de batterie. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Très bien. C'est beau? Oui. Ça te plaît? Oui. Non? C'est pour tout à l'heure quand les copains seront là. Tu sais ce que c'est? Comment ça s'appelle? Oui, le chamboule-tout. Il y a un chamboule-tout, donc là. Pareil, quand ils réussiront à tout faire tomber, ils auront le droit. C'est comme le bowling. Ouais, c'est presque pareil. Quand ils auront fait tomber toutes les tous les machins là, ils auront le droit à un cadeau. Donc j'ai prévu des cadeaux. Oui. Là vous avez des petits sacs. Donc dedans il y a déjà ça. Que les enfants vont embarquer chez eux. Je sais pas comment on fait le focus là-dessus, mais enfin bref. L'axa. Ouais, pour le moment il y a que ça. Ah, il était là-dedans, oui. Voilà. Donc bien sûr, le gâteau. Le gâteau, je vous le mettrai. Je sais pas comment exactement faire le focus là-dessus. Mais je vous le mettrai sur le. Je vous le mettrai sur le blog. Donc ça, c'est le fond. Donc là, c'est du papier. Hop. Du papier crépon découpé. Et scotché là-haut. Le cadre là. Ah, attendez. Là. C'est un fond pour faire les photos. Oui. Donc là, il y a un 5 en ballon que j'ai acheté chez. Je crois que chez Action, il me semble. Là, en fait, vous avez des bulles. Et en fait, derrière, il y a de l'espèce de polystyrène. Enfin, c'est pas du polystyrène, c'est de la mousse, en fait. Que j'ai trouvé chez Ikea. On m'a donné ça gratuitement. Là, il y a un semblant de Nemo. La. Comment ça s'appelle? La fontaine est censée ressembler à Nemo. À l'intérieur, il y a du. De l'oasis à la pêche. Là, donc. J'ai fait des petites bouteilles, mais on voit pas, j'arrive pas à faire le focus. Maman, ça m'embête. J'ai trouvé quelque chose. Oui. Je sais pas exactement comment on fait, mais bon, bref, je vous mettrai de toute façon toutes les photos sur le blog, elles seront beaucoup mieux que la vidéo à mon avis, faut que je gère encore ce truc là. Donc bref, donc je leur ai fait des petites bouteilles, donc moi j'ai fait les étiquettes, donc là il y a écrit, pardon, eau des mers du sud, et donc là il y a écrit 25 décembre 2012, 5 ans, là-dedans. Oh, c'est moche, ça se voit pas, mais enfin bref. Et là, il y a écrit joyeux anniversaire Léo. Voilà, ensuite, un seau avec des bonbons. Bien sûr, il n'y a pas des bonbons jusque dans le fond du seau. Au fond, j'ai mis des petits ronds pour piquer les fleurs dedans. Ensuite, bah non, c'est caché. Ensuite, j'ai mis du polystyrène là. Donc, ce qui fait qu'il doit y avoir des bonbons à peu près sur ça de haut. Ensuite, j'ai rempli de chamallows, comme ça prend de la place. Et des bananes et des. Comment? Des bananes et des schtroumpfs.
Ensuite, j'ai fait des petits verres comme ça d'eau riz. Donc, où il y a des pop-corn dedans. Hop. Ensuite, quand ils repartiront. Donc, quand ils repartiront, en fait, j'ai fait une espèce de petite chasse. Enfin, de pêche à la ligne, pardon. Bon, là, c'est le bâton pour la pignetta. Donc, j'ai mis. En fait, il y a deux sortes. Il y a des petits. Sachets. Des petits sachets comme ça. Mmh. Ou alors des petites boîtes. En carton comme ça, qu'ils pourront pêcher avec ça. Un porte-manteau. Avec un porte-manteau que j'ai plié pour que ça fasse un crochet pour pouvoir pêcher tout ça. Maman. Ensuite, oui. Est-ce qu'on fait un jeu ? Ensuite, donc je n'ai pas un jeu qui me plaît beaucoup. Oui, là-haut, oui, je sais que t'aimes bien. Ça. Ensuite, donc il y a le bowling. Ça, je l'avais trouvé chez Jiffy. Comme le jeu là-bas où Léo il est en train de jouer avec, je l'ai trouvé chez Jiffy aussi. Donc ensuite il y a ça. Alors ça, c'est pas mes poubelles qui sont restées là. Hein. Ça, j'ai galéré à le trouver ce jeu-là. C'est en fait une chasse au trésor d'Ori. Donc là en fait vous avez les lettres D-O-R-Y qu'on détache, que moi j'ai déjà détaché. Et en fait j'ai choisi de mettre ça dans des. Là ce sont des petites barquettes. Hop. Et en fait, les enfants. Donc là, c'est des cheveux d'ange. Et donc, j'ai mis toutes les lettres dedans. Les enfants devront retrouver leurs 4 lettres le plus vite possible en fouillant à l'aveugle, bien sûr. C'est pour ça que j'ai mis des sacs poubelles pour pouvoir resserrer comme ça pour pas que les enfants voient ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, il y en a un, il y a du riz. Il y en a un, il y a de la semoule. Il y en a un, il y a du bolduc. Qui d'ailleurs se sauve. Du riz, de la semoule, du bolduc. Il y en a un, il y a des. des noix. Et il y en a un, il y a des cheveux d'ange. Voilà. Sinon. Sinon, j'ai fait ça. Je me suis amusée à faire ça. J'ai acheté des petites balles. Je voulais des balles de jonglage, mais j'en ai pas trouvé. Donc, je trouvais des petites balles. Et en fait, c'est pareil. Quand les enfants lanceront une balle dans l'un des trous, ils pourront gagner une petite bricole. Qu'est-ce que je vous ai pas montré encore? Ah! Je vous ai pas montré ça! Je vous ai pas montré des bricoles à gagner. Hop! Alors, les bricoles à gagner. Donc, il y a des. Voilà. Des petits bracelets lumineux. Des petits bracelets qui, en fait, il y a un petit bouton. Quand on appuie sur le petit bouton, ils se mettent en marche. Et en fait, ils s'allument en même temps que la musique. Donc si la musique, admettons, elle fait poum poum poum, le bracelet, il s'allumera poum poum poum, voilà. Ah bah tiens, j'en ai un là d'ailleurs. Chante. Là. Bon, j'espère qu'il marche encore. Je les ai achetés il y a un petit moment. Ah mais il y a une languette, je crois, retirée. Bon, bref. Il marche celui-ci? Oui. Ah bah attends, je ne mets pas, vas-y. Si tu te mets pas à côté, ça entendra rien. Voilà, donc ça j'en ai trouvé chez Action. Ensuite, je leur ai pris des petits panibules. Je leur ai pris des stylos magiques. Donc on écrit, ça fait transparent et en fait ça s'allume avec la lumière. Et je leur ai pris des petits livres à colorier là-haut. Donc il y a Nemo, les princesses et Cars. Et donc voilà. On va cacher ça. Sinon la déco, là, j'ai tenté de faire une tortue. S'il vous plaît. J'ai tenté de faire une tortue. Voilà ma belle tortue. Là vous avez des pieuvres, bien sûr. Et quelques pompons qui se baladent par-ci, par-là. Devant la porte, je ne l'ai pas encore collé. Des affiches. Donc je le colle. Non, ça c'est un jeu. Devant la, pour mettre devant la porte, oui c'est un jeu. Pour mettre devant la porte, enfin sur la porte plutôt. Hop. J'ai fait un petit hank qu'il faut que je colle. J'espère que ça va coller avec la pâte à fixe. Pour mettre en fait sur la porte d'entrée derrière. Comme si c'était lui qui ouvrait la porte. Sur ce, je crois que j'ai fait le tour. Non. Et bien sûr, il y a des ballons, je les ai retirés, ils sont cachés de l'autre côté parce que sinon ça va être le bazar. On va faire les jeux et après,
Ce sera les ballons. Ah, j'ai prévu aussi de faire une petite activité. De faire une... Attendez, je vous montre ça. De faire en fait une boule à neige. Oups là. Alors, une boule à neige avec donc Dory, il y a Perle et il y a Nemo. J'ai récupéré en fait des bocaux à confiture. Donc ça fait 3 mois qu'on mange de la confiture. Hein. J'ai peint au... à la bombe. Oui, il y a des ballons. Mais les ballons, c'est pour tout à l'heure. J'ai peint à la bombe les couvercles. Voilà, j'ai pris de la colle époxy parce qu'il paraît que ça colle mieux que le pistolet à colle. J'ai collé en fait un bouchon. Je sais pas si je vais arriver à le dévisser. J'ai collé en fait un bouchon de bouteille. Voilà. J'ai collé donc un bouchon de bouteille pour rehausser un peu la bébête. J'ai collé donc Dory sur le bouchon. Et les enfants mettront de l'eau, des paillettes et de la glycérine liquide dedans. Et ben, ça restera quand on se courra, et ben, les paillettes redescendront. Voilà, pour faire des boules à neige. Bien sûr, dessus pour qu'ils puissent décorer. Je sais pas encore avec quoi on va les. Je sais pas si je les colle au pistolet à colle ou quoi. J'ai trouvé. Hop, des petits coquillages. Pour décorer un peu le dessus. J'ai prévu aussi des pompons, là, comment ça s'appelle, des nœuds cadeaux, si des fois ils veulent en coller un dessus. Enfin bref, tout est prévu pour que normalement ils puissent s'amuser. Là, il y a les ballons. Et bien sûr, on mettra un peu de musique sur l'ordinateur derrière. Et puis voilà, je pense que ça vous occupera parce qu'ils sont quand même 12 plus ton frère. Ça va être... hein ? Ça va être super dur. Voilà, ça va être super. Sur ce, on va vous dire au revoir. Au revoir. Et à bientôt. Bye bye. À bientôt. Bye bye.